Voilà, voilà, bonjour. Ou bonsoir, ou bonne nuit. Aujourd'hui, on est le 21 septembre, il est 21h32 au moment où j'enregistre cette vidéo. Et je sors tout juste de la douche. Ce qui explique que pourquoi j'ai les cheveux mouillés, c'est que j'étais trop pressé, j'avais trop envie de parler devant ma caméra tout seul. C'est le loisir le plus palpitant que j'ai. Et aujourd'hui, voilà, on va parler, enfin je vais parler surtout, vous allez m'écouter ou pas, de métal français, de la scène métal français. Alors je vais pas parler de tous les groupes français, mais j'ai fait un gros tri hein, déjà, parce que je vais aborder seulement 4 groupes aujourd'hui. Après je ferai probablement d'autres vidéos plus tard où j'aborderai d'autres groupes de métal français. Et déjà j'ai fait un tri, j'ai pris que les francophones, ceux qui chantent en français. Donc il n'y aura pas de Gojira, pas de Dagoba. Voilà, donc dans cette vidéo là, qui est la première à mon avis, je vais en faire plusieurs, mais pas tout de suite. D'abord je vais faire autre chose un peu, puis je sais pas, peut-être dans un mois, deux ou trois, j'aborderai une deuxième fois le métal français pour parler des autres groupes. Donc dans cette vidéo, on va parler d'Acmé, évidemment, c'est mon groupe de métal français préféré, de Hetz. On parlera aussi de Lophophora, ça je sens que ça va plaire à des amis à moi. Et on parlera pour finir de Massisteria, donc 4 groupes, et je vais essayer de ne pas faire une vidéo plus longue qu'une demi-heure, sinon après c'est ennuyeux. Voilà, donc on commence tout de suite avec Acmé. Donc Acmé, ça a commencé en 96, vraiment, enfin ça, oui, en 96, mais sous un autre nom, ça s'appelait Neurosyndrome. Et ça marchait pas terrible. Enfin, à ce moment-là, ils faisaient surtout des concerts. Ils ont sorti aucun album à ce moment-là, entre 96 et 99. C'était Neurosyndrome. Ils ont rien sorti. Ils faisaient beaucoup de concerts et ils faisaient partie de la Team Nowhere. Alors la Team Nowhere, je vais le redire, c'est un collectif musical de métal, évidemment, de néo-métal même, qui regroupe quelques groupes. Donc, qui regroupe aujourd'hui Plémo, Enhancer, Vegastar et Wunjo, et qui donc à l'époque comportait aussi Neurosyndrome. Et je me demande si Watcha était pas dedans à un moment, mais je suis pas sûr. Enfin, je me rappelle plus exactement. C'est pas important parce que c'est pas le sujet. Donc voilà, le groupe s'appelle Neurosyndrome de 96 à 99. Après, il change de nom, je ne sais plus pourquoi. Je sais plus pourquoi il change de nom, il s'appelle tout de suite Acmé du coup. Acmé qui veut dire apogée en grec. Mais ça s'écrit pas exactement pareil, mais c'est ça le but du nom Acmé. Ça veut dire apogée en grec. Et en 99, ils sortent leur première démo qui s'appelle University of Nowhere. Donc qui comporte 5 titres. Assez énervés, assez brutaux. En fait, comme beaucoup d'albums qui sortiront en fin 90, début 2000. Beaucoup des groupes français, ça sera une scène, enfin, ça sera des albums très énervés, juste énervés, assez brutaux, qui bougent beaucoup. Parce que voilà, c'est le mouvement, enfin, c'est le mouvement néo-métal qui vient d'apparaître à ce moment-là. Enfin, qui vient d'apparaître en France à ce moment-là, ça existe déjà depuis une dizaine d'années avec des groupes comme Korn, Deftones, Limp Bizkit, des trucs comme ça. Et en France, ça commence, voilà, maintenant, ce petit mouvement-là commence à se soulever un peu. Et à l'époque, voilà, le but des trucs, c'est de mettre les grosses ambiances dans les salles de concert, de faire sauter tout le monde, de se défouler le plus possible. Alors du coup, pour ça, voilà, on fait pas de la musique très réfléchie. Bah, vous pourrez l'écouter dans les deux premiers albums de Plémo, c'est vraiment ça le délire à l'époque. Ou même dans les premiers albums de tous les groupes que je vais vous citer là, c'est un peu ça. Donc voilà, University of Nowhere en 99. En 2002... ils sortent leur premier album, leur premier vrai album, qui s'appelle Sombres Efforts, et voilà, qui propose une approche différente, qui est pas du tout la même chose que University of Nowhere. Là, c'est vraiment du metal, c'est du metal rock, parce que c'est pas assez, enfin ouais, c'est du metal rock, enfin néo-metal du coup, un genre de mélange metal rock, assez sombre, assez triste, mélancolique, avec des morceaux parfois doux. Parfois, dans le même morceau, on peut avoir du doux, du mélodique, comme du après du,
du plus brutal. Le chanteur, il peut... Le chanteur, il, qui s'appelle... C'est Thomas Tyrion, à l'époque. Qui est, il peut chanter, il a une très belle voix, je trouve, personnellement. Il peut chanter des trucs... Enfin, ouais, voilà, des parties vraiment belles, et juste après, hurler à la mort des refrains qui envoient, quoi. D'habitude, y a, c'est soit le schéma, soit c'est les couplets hurlés, les refrains chantés, soit c'est les couplets chantés, les refrains hurlés. C'est toujours ce genre de ces deux schémas-là. Ensuite, en 2004, ils sortent l'album Polaroid et Pornographie, qui commence avec un joli titre, parce que le premier morceau, c'est Pornographie. Pornographie, ça donne envie d'aller voir, je trouve. Voilà, et donc à peu près dans la même veine. Dans la même veine que Sombres Efforts, mais en plus un peu moins lourd au niveau des guitares, par exemple. Mais toujours aussi sombre dans l'ambiance, hein, toujours aussi sombre, triste, mélancolique un peu cette fois. Voilà, des fois on a l'impression, dans certains morceaux, j'ai l'impression qu'on fait ce genre de rêve un peu, où on sait pas trop où on se situe, ce genre de truc complètement vague, mais dans une ambiance un peu triste, un peu nostalgique et en même temps un peu angoissante, je sais pas, c'est à la fois beau et à la fois sombre, voilà, je me contentais de ça. Ensuite, en 2004, en 2005, ils sortent La Fin des Temps. J'avais déjà touché deux mots en fait dans la vidéo collection où j'avais dit que c'était l'album qui me plaisait le moins. Mais ça veut pas dire non plus que c'est un album que je n'aime pas, hein. J'aime bien cet album, mais de tous ceux d'Acmé, c'est celui que j'aime le moins, voilà. Si je faisais un classement de mes albums préférés d'Acmé ce serait le dernier, quoi. Parce que bah, c'est pas exactement le style que je recherche chez Acmé. Donc c'est toujours assez sombre, mais un peu moins cette fois. C'est beaucoup plus... Pardon, c'est beaucoup plus chanté que hurlé cette fois. C'est rock en fait. C'est complètement rock, c'est plus vraiment métal. Et voilà, je sais pas trop quoi dire de plus cette fois. Enfin, sur ce truc-là. En 2006, ils sortent un live. Y a un disque live, un CD live, et dans la même boîte, un DVD live. Moi je l'ai, je pense que je vous l'ai montré dans la vidéo collection. Et j'aime bien ça. Enfin, qui réunit donc les trois premiers albums, hein, ça compte University of Nowhere. Il joue pas de morceaux d'University of Nowhere. Il joue que des morceaux de Sombres Efforts, Polaroid, Pornographie et La Fin des Temps. Et voilà, enfin moi j'aime bien les regarder en live parce qu'ils y... Ouais, voilà, ils sont beaux à voir en fait. Le chanteur, surtout le chanteur en fait, il est vraiment dedans, il est vraiment à fond dans son... Dans son rôle, oui, on va dire, dans son rôle de frontman. Enfin, voilà, j'aime bien. En 2008, sort Hérésie. Donc là aussi, je vous en avais déjà parlé, donc je vais redire un peu la même chose. Mais c'est pas grave. Donc voilà, celui-là, il renoue avec le métal, avec la partie métal d'Acmé. Au point où il délaisse même un peu la partie mélancolique et mélodique. Donc c'est des grosses guitares accordées très graves, la basse, beaucoup de distorsion, les chants, c'est beaucoup du cri. Enfin voilà, c'est beaucoup plus brutal que les autres. Bon, il y a toujours ce genre d'ambiance un peu triste qu'on a dans Acmé. Ah bah d'ailleurs, voilà, en parlant d'Acmé et d'ambiance triste, le t-shirt, qui rayonne de joie, et de joie de vivre et de bien-être. Voilà, j'ai fait le tour, hein, pour Hérésie, de toute façon je vous en avais déjà parlé avant, dans l'autre vidéo, la vidéo collection partie 1. Ensuite, en 2009, sort En l'honneur de Jupiter. Et ça, c'est avec l'apparition du nouveau guitariste. L'ancien quitte le groupe pour se consacrer à son projet solo. Son projet solo, c'est un autre projet. C'est le groupe qui s'appelle Die on Monday. Alors ça vous dira peut-être quelque chose, moi je ne connais pas personnellement.
Et voilà, en l'honneur de Jupiter, ils accueillent un nouveau guitariste, et voilà, ça, à nouveau, ça fait complètement évoluer le style d'Acme. Voilà, donc je vous l'avais déjà dit, le style est beaucoup plus rapide, les guitares sont beaucoup plus techniques, enfin tout est beaucoup plus technique au final. Parce que le guitariste a... Comment dire, avec sa façon de jouer, il a motivé les autres membres du groupe pour jouer un peu dans ce sens-là. Donc c'est plus rapide, plus technique. Et moi je préfère ça, c'est... Oui, c'est mon album préféré d'Acme, c'est En l'honneur de Jupiter. Voilà, et dernier album qu'ils ont sorti, donc cette année, en 2012. Ils sont encore en train de faire la tournée, d'ailleurs aujourd'hui, normalement, ils sont passés à Strasbourg, le 21 septembre, et donc je les ai ratés, puisque je suis là à faire cette vidéo, parce que j'ai pas de thunes du tout, en ce moment. Et puis pas de moyen de transport de toute façon. Voilà. Et donc voilà, le dernier album, Epitaph, Dominion Epitaph, qui est dans la lignée du précédent, qui est voilà toujours aussi technique, aussi machin. Le son cette fois est un petit peu moins carré, parce que avant tous les albums, à part La Fin des Temps, ils avaient tout enregistré en Suède avec le comment ça s'appelle, technicien, oui, celui qui voilà, on va dire le technicien qui s'appelle Daniel Bergstrand, et qui était vraiment très exigeant. Et c'est bien, d'ailleurs, c'est bien tout ça. Parce qu'il poussait vraiment le groupe à aller au meilleur d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que En l'honneur de Jupiter est si long, je trouve, aussi. C'est parce qu'il recherchait vraiment la perfection dans les morceaux. Il voulait pas un truc, un poil décalé. Il voulait pas une note qui passe un peu à la trappe. Il voulait... Tout était super carré avec lui. Et pour le dernier album, ils l'ont pas enregistré là-bas. Je sais plus où exactement ils l'ont enregistré, mais c'était pas avec le même. Cette fois, et parce qu'il voulait quelque chose d'un peu plus, un peu moins cadré, et plus rock'n'roll, plus hardcore. C'est pas la musique reste c'est le même genre, mais cette fois le son, j'ai envie de dire un peu moins soigné, un peu moins lisse que dans l'autre album. Il est un peu plus grésillant, enfin non pas grésillant non plus. Oh là là, je trouve jamais les bons mots. Bon, bref. Allez écouter encore, hein, si vous voulez vraiment comprendre ce que je dis. Là je passe des extraits en fond, mais là c'est en fond, donc ça sera pas, vous pourrez pas vraiment comprendre ce que je raconte. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore sur cet album? Donc il est très bon aussi. Ah voilà, un mois je crois avant la sortie de l'album, le chanteur Thomas Thirion, qui est présent dans le groupe depuis le début, annonce son départ pour des raisons inconnues. On ne sait pas, ils ont expliqué ça nulle part. Mais visiblement, les autres membres du groupe l'ont pris assez mal. C'est normal en même temps. Hein. Parce qu'on voyait ça dans les interviews où il disait que. Les autres membres du groupe disaient que. Qu'il aurait pas dû partir à ce moment-là, qu'ils viennent de sortir un album, il aurait fallu qu'il soit sur scène pour le défendre, pour le représenter, pour le jouer, parce que voilà quoi, c'était pas du tout le bon moment pour partir. Bon, il a fait l'enregistrement de l'album quand même, mais il s'est barré juste à la fin du projet, puis c'est dommage, il aurait dû quand même aller encore sur scène quoi. Et depuis maintenant, ils ont un nouveau chanteur, Vincent. Je ne sais plus quoi, qui jouait avant dans d'autres groupes aussi, dont je ne me rappelle plus le nom. J'aurais dû regarder avant de faire la vidéo, ça aurait été mieux, mais c'est pas grave. Et voilà, donc je ne sais pas encore exactement ce que ça donne. On peut le voir, j'ai cherché sur YouTube, mais on peut le voir, mais que avec des vidéos filmées avec un portable dans un concert où le son est dégueulasse. Donc je ne sais pas encore ce que ça donne, je le verrai bien quand j'achèterai la version limitée, l'édition limitée du dernier album, qui sortira mi-octobre, parce qu'avec, ils vont mettre un EP, encore une fois, qui s'appellera Les Sentiers de l'Aube, et c'est des morceaux réenregistrés, ou des nouveaux morceaux enregistrés avec le nouveau chanteur. Et donc, j'espère que ça sera bien. Parce que moi, j'adore Acme, puis j'ai pas envie d'arrêter de les adorer. J'ai pas envie de dire Acme, c'était mieux avant. J'ai envie de continuer à dire Acme, c'est bien, c'est mieux, même. Acme, c'est le mieux, voilà.
Voilà, donc j'espère que ça sera bien. Puisqu'on est dans les départs de chanteurs, on va parler tout de suite de Etz. Etz, E-T-H-S. Donc si je parle de départ de chanteur, c'est parce que aussi récemment la chanteuse Candice, qui a fait, qui est là aussi depuis le début du groupe, qui ont commencé en même temps qu'Acmé d'ailleurs en 99, elle est partie, un peu plus tard que la, elle est partie vraiment récemment en fait. On est le 21, j'ai dû recevoir l'info le. Je sais plus, le 18 ou le 17, un truc comme ça, enfin c'est assez récent quoi. Donc voilà, je vais faire la biographie déjà, la discographie pardon. Donc ils sortent une démo qui s'appelle Etz, comme Etz, c'est la démo éponyme, en 99. Un peu plus tard, en 2000, ils sortent une autre démo, ou un EP cette fois, mais je sais pas ce que ça veut dire EP en fait, donc je sais pas faire la différence avec entre une démo et un EP, qu'est-ce qui fait que quoi, ou qu'est-ce que c'est. Bon, je me renseignerai, un EP qui s'appelle Autopsy, en 2000. Et là voilà, là ça respecte, la première démo je la connais pas, mais là, Autopsy, ça respecte ce que je disais pour la période de fin 90, début 2000. Voilà, c'est ça, c'est du métal énervé, assez bourrin, enfin assez direct, hein, voilà. Ensuite, en 2002, ils sortent un autre EP qui s'appelle Samantha. Et qui est un peu plus technique qu'Autopsy, mais toujours aussi violent. Enfin, en fait, pour résumer, Etz, c'est du death. Il y en a qui disent que c'est du deathcore. Deathcore, je suis pas sûr de ce que c'est. Parce que y a beaucoup de genres, beaucoup de noms de genres dans le métal, et au bout d'un moment ça devient un peu compliqué de savoir qu'est-ce qui est quoi. Donc on peut dire du death metal français, bon, ça va très bien je trouve. On va dire que c'est assez large quand même le death metal, si on peut comprendre plein de genres de groupes dedans. Voilà, donc on va dire que c'est du death metal. Si ça ne parle pas à la plupart d'entre vous, le death metal, on va dire que c'est un genre de métal justement qui met en avant la violence des textes, de l'ambiance, du son, c'est la violence pure. Voilà. Et non, ce n'est pas le cas de tout le métal comme peuvent le croire certains. Non, c'est le death metal, c'est de la violence pure. C'est... à la limite, je vous ferai une autre vidéo un jour sur le death metal, mais bon, ça verra bien. Voilà, donc ensuite, en 2004, ils sortent leur premier album, Soma, qui, moi, est mon préféré. D'ailleurs, dessus, on peut notamment avoir un featuring, un duo avec le chanteur de Lofofora. Lofofora, donc j'en parlerai après. Donc ça, c'est sur le titre Ailleurs, c'est ici. Et donc, cet album, il comprend aussi bien des morceaux ultra violents, bien death metal, comme le titre Melena, ou Je vouais. Mais il peut aussi comprendre des ambiances. Enfin, il comprend une ambiance aussi plus glauque. Bah, de toute façon, Etz, en général, c'est très glauque. Mais là, il comprend des titres spécialement basés là-dessus. Donc si on écoute l'instant sourd, je sais pas si on peut vraiment compter ça comme un morceau, en fait c'est un discours, enfin c'est pas vraiment un discours, mais c'est un fond sonore très très glauque, très angoissant, et des paroles par-dessus, parler doucement, qui sont aussi très angoissantes, et au final ça met bien la pression. D'ailleurs quand je dis que Acmé, que Etz, c'est glauque, si vous voulez le visualiser un petit peu la musique d'Acmé, on peut, si vous voyez les films Saw 1 et Saw 2 notamment, les films d'horreur, vous voyez, ça se passe dans une salle de bain dégueulasse, ou alors une vieille baraque désaffectée, des trucs vraiment ignobles, avec de la pourrissure, de la moisissure, voilà, plutôt que de faire des mélanges de mots, partout. Des déchets, de la merde partout, c'est dégueulasse, on dirait qu'on pourrait
attraper plein de maladies juste en respirant l'air qui est dans ces endroits-là, et ben c'est un peu l'ambiance que peut projeter Ed dans certains morceaux notamment, mais c'est voilà, c'est l'ambiance générale, c'est un peu ça. D'ailleurs, la même année, en 2004, ils sortent une réédition de Autopsy et Samantha, leurs deux premiers EP. Et en 2007, ils sortent Teratology, alors qu'ils restent dans la même ambiance, mais cette fois qui est plus complexe au niveau des guitares, notamment, enfin au niveau des mélodies, des trucs, qui est plus complexe, plus travaillé. Et voilà, plus complexe, plus travaillé. Et en 2012, voilà, ils sortent leur album qui s'appelle 3. Moi au début je comprenais pas pourquoi il s'appelait 3, parce que je comptais Autopsy et Samantha, je les comptais comme des albums, alors que finalement non, ce sont des EP, et c'est pour ça que l'album, le tout dernier album s'appelle 3, parce que c'est le troisième. Voilà, et 5 mois du coup après la sortie, il est sorti début de l'année. Et maintenant, voilà, tout récemment, la chanteuse Candice, qui avait vraiment une voix spéciale, elle pouvait aussi bien se défoncer la voix, faire du scream. Le scream, c'est un type de chant guttural, en fait, ce qui se fait avec les cordes vocales. Enfin, non, avec les cordes vocales. Oui, toutes les chansons avec les cordes vocales, mais... je sais pas comment vous dire... Enfin, de toute façon, vous l'entendez derrière moi, normalement. Et quand vous avez l'impression qu'elle se casse la voix, c'est ça du chant, c'est ça du scream, un des types de chant guttural. Et voilà, donc cette chanteuse-là, elle est partie. Et maintenant, elle va encore assurer les concerts quelques temps, un mois ou deux, je crois. Après, la scène, elle sera... Enfin, après, elle partira, et ça sera un duo de chanteuses. Alors, une chanteuse qu'on ne connaît pas encore, qui n'a pas encore été annoncée par le groupe, qui sera en duo sur la scène avec la chanteuse de Kels. Kels, donc c'est un autre groupe français. Un groupe de... néo-metal symphonique, on peut dire ça. Enfin, j'ai écouté, ça ressemblait... Enfin, je connaissais pas avant, mais j'ai écouté, ça ressemblait beaucoup à du Evanescence. Mais avec du scream, là aussi, une fois dessus. Une fois encore, par-dessus. Là aussi, j'ai pas de morceau à vous faire écouter, mais vous pouvez aller voir sur YouTube. D'ailleurs, si vous allez sur YouTube, vous pouvez déjà voir le clip d'un morceau que la chanteuse de Kels a fait en duo avec la chanteuse de Hetz, avec Candice, donc. Donc, ils se connaissent, quoi. Et ce morceau-là est pas mal, il s'appelle La Sphère, si vous voulez écouter. Voilà. Bon, on a fait le tour pour Hetz. Je ne sais pas exactement depuis combien de temps je parle. Mais je vais essayer de pas trop traîner parce que je sens que ça va être long, sinon. Et on va aborder tout de suite Lophophora. Alors Lophophora, ils se sont fait connaître en 94. Bon, déjà parce qu'ils ont fait les premières parties de la tournée d'Iggy Pop. Donc c'est pas rien quand même. Tournée d'Iggy Pop en France. En 94, donc ça je l'ai dit. Alors, pour résumer, Lophophora, c'est un mélange de rock, de metal, de punk. Le punk, c'est très présent, et un petit peu de hip-hop. Il y a un petit peu de hip-hop dans Lophophora. Voilà, donc en 94, tournée Iggy Pop, tout ça, ils sortent un EP, ou alors un album, je sais plus exactement. Non, je crois que c'est un album. Premier album qui s'appelle Lophophora. Tout simplement, album éponyme, là, encore une fois. Et c'est encore à ce jour le plus gros succès commercial du groupe. Donc moi, je l'ai pas écouté. J'ai écouté très peu d'albums de Lofo. J'en ai pas beaucoup. Il y en a un ou deux que j'ai écouté, et il y en a un que j'adore, que j'écoute souvent. Donc je vous dirai lequel. En 96, ils sortent un album qui s'appelle... Voilà. Voilà. En 98, l'album Dur comme fer. Bon, là, en fait, je sais pas trop quoi dire sur les albums de Lofo. J'ai pas d'anecdote particulière sur tel ou tel album. Et il n'y a pas de gros changements. En fait, ils sont restés, durant toute leur durée de vie, ils sont restés très fidèles à leur style, en fait. Donc, ils n'ont pas vraiment changé de truc.
ils sont pas passés. Enfin, ils sont pas passés à autre chose en fait. Ils font toujours leur même recette qui fonctionne. Voilà, donc c'est une bonne recette. Donc les albums sur. Enfin non, je peux dire qu'ils se ressemblent un peu parce que ça fait très. Ça fait. Péjoratif de dire ça, de dire que les albums se ressemblent. Mais voilà, enfin c'est toujours. C'est. Enfin le son Lofofora, de toute façon, on reconnaît. On entend une chanson, on sait que c'est Lofofora. Et ils ont vraiment gardé cette patte qu'ils avaient. Ils sortent en 2003 Le Fond et la Forme. Donc là, je dis pas grand chose parce que je ne connais pas non plus tous les albums. En 2005, ils sortent un album qui s'appelle Les choses qui nous dérangent. En 2007, voilà, là c'est l'album que j'écoute tout le temps, Mémoire de singe. Anecdote, on peut, y a, là, sur cet album, il y a un duo avec le chanteur de Stupéflip, King Ju, je crois, King Fu, King Ju, enfin je ne sais plus. Et c'est notamment lui, le chanteur de Stupéflip, qui a fait la pochette de l'album. Alors le titre en question, il s'appelle C'est Torture. Voilà, si vous voulez écouter, si vous êtes fan de Stupéflip, vous pouvez écouter ce titre qu'il a fait en duo avec Lofofora. En 2008, ils sortent un coffret qui regroupe leurs 5 premiers albums. Donc tous ceux avant Mémoire de singe en fait. Parce qu'il y en a certains qu'on trouvait plus dans le commerce, donc à mon avis c'est les deux premiers qu'on trouve plus dans le commerce. Et en 2011, ils sortent leur nouvel album qui s'appelle Monstre Ordinaire. Voilà pour les albums. Donc les thèmes de Lofofora, alors il y en a qui disent que c'est un groupe engagé, mais eux-mêmes refusent de dire qu'ils sont engagés. En fait. Le chanteur notamment qui s'appelle Renaud, qui a un sacré charisme en fait sur les chansons, il a vraiment du talent. C'est-à-dire qu'il est capable de chanter. Il chante très bien et il est capable de hurler très bien. Et même quand il parle, il y a certains morceaux où il parle surtout. Et là aussi, il a un genre de charisme quand il parle, c'est assez fou. Voilà, et ce mec-là, Renaud, donc, se dit lui-même qu'il n'est pas un chanteur engagé, ni même un porteur de drapeau, ni quoi que ce soit. En fait, c'est juste des états de conscience qu'il balance. C'est des trucs personnels à lui. Enfin, personnels, ça ne concerne pas lui, mais c'est des observations qu'il voit, des trucs qui le dérangent. Comme l'album, c'est des choses qui me dérangent, enfin, c'est ce genre de choses. Il parle de plein de thèmes sérieux, en fait. Il aborde plein de thèmes. Des thèmes polémiques, en fait, qui se révoltent. Enfin, c'est beaucoup de la révolte. Donc, c'est pour ça qu'on le dit que c'est des chanteurs engagés, enfin, que c'est des musiciens engagés, ou même enragés. C'est que c'est beaucoup de révolte, beaucoup d'indignation. Donc il parle notamment du racisme, du Front National, de l'extrême droite, de l'individualisme, du nationalisme. Je sais plus, enfin plein. Bah ouais, plein de choses qui peuvent déranger dans la société actuelle, avec les gouvernements actuels. Il parle aussi de la guerre en Irak, donc il parle de plein de. Voilà tout ce contre quoi on peut. Ils se rebellent, ils se rebellent, mais tout ce qui scandalise en général, qui fait état de polémique, des trucs comme ça, ça c'est les sujets phares de Lofofora. C'est punk, hein, c'est très punk dans l'esprit. Tout ce qui est l'anarchie, refuser le gouvernement en place. On n'en est pas au point de l'anarchie non plus, mais. Bien qu'ils aient fait des reprises des Sex Pistols en enregistrant le titre Anarchie en Sarkozy, en rapport avec Anarchy in the UK. Enfin voilà. D'ailleurs, en parlant de reprise, ils ont aussi fait une reprise de Zombie la Mouche des Négresses Vertes. Tout ça est très sympa à écouter. Ils ont même fait un album de reprise de Brassens, je crois, qui s'appelle L'âme de fond. Des trucs comme ça. Même dans certaines chansons, dans une chanson de Mémoire de singe notamment, il cite Albert Einstein. Enfin, vous voyez le genre d'idéologie du groupe. Enfin voilà quoi, mais vraiment écoutez les chansons parce que c'est vraiment excellent. On comprend tout en plus, parce que j'allais dire dans Heads,
ou dans Acme, il y a des paroles qui nous échappent du fait qu'elles soient hurlées ou alors qu'il y ait des grosses guitares derrière. Mais là, vraiment, dans l'Ofofora, on comprend toutes les paroles, c'est super clair, c'est super compréhensible du coup. Non, mais je cherche un autre mot. Enfin voilà, c'est... Allez, écoutez vraiment, si... Ça peut plaire à n'importe qui, hein, même pas forcément juste aux fans de métal et tout. Bah, les trois quarts de mes potes, c'est des hippies qui écoutent du reggae, du ska. Et pourtant, ils écoutent aussi l'Ofofora dans le tas. Ouais. D'ailleurs, il y a un truc qui peut bien plaire aussi, hein, notamment au punk ou à un genre de personne, c'est le bal des enragés. Donc ça, le bal des enragés, c'est une performance scénique. Bon, c'est un concert en fait, c'est une tournée qu'ils ont fait avec Parabellum et Tagada Jones, où ils reprennent plein de titres classiques du punk des années 80. Et c'est très sympa. Voilà, maintenant on aborde le dernier groupe de cette vidéo, hein. Mass Hysteria, que moi personnellement j'adore, qui fait un peu office de parrain de la scène française avec l'Ofofora. L'Ofofora, Mass Hysteria, voilà, c'est les parrains de la scène française jusqu'à l'apparition de la Team Nowhere, enfin jusqu'au développement de la Team Nowhere. Mais c'est vraiment l'Ofofora, Mass Hysteria qui poussait les jeunes groupes français, qui les ont mis sur le devant de la scène, qui les mettaient dans leur première partie ou des trucs comme ça, qui leur faisaient de la pub. Donc Mass Hysteria, c'est un groupe, un genre, je ne saurais même pas définir le genre de musique qu'ils font. Bon, c'est du métal évidemment, mais c'est un genre de métal vraiment particulier. Ils sont très éclectiques au niveau des goûts qu'ils ont, des influences qu'ils ont. On peut retrouver de l'électro, bon, avec le métal, mélangé avec du métal, on a de l'électro, on a du hip-hop, on peut avoir même du ska, hein. Ça arrive dans certains morceaux. Enfin, on a plein d'influences de partout. Après, on a même du death metal très bourrin. On peut retrouver plein de choses. Pour vous dire que moi, par moment, dans le dernier album Fire, non, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier, j'ai cru reconnaître des influences de Slayer, par exemple. Et pourtant, ça n'a rien à voir musicalement. Mais j'ai cru que... tiens, ça pourrait ressembler à du Slayer, machin. Voilà, donc, premier album pour eux en 97. Le bien-être et la paix, voilà. Donc ça, c'est... Voilà, donc comme je disais, électro, métal, techno, enfin, là aussi très énervé, hein, comme je disais, hein, fin 90. Ensuite, deuxième album, Contradiction, et c'est avec cet album-là, en 99, pardon. En 99, deuxième album, Contradiction, et c'est avec cet album-là qu'ils se font vraiment connaître. Parce que voilà, cet album est vraiment excellent. Donc c'est même chose qu'avant, mais encore une fois en plus technique, avec des morceaux plus trucs. Notamment le morceau, mais alors là, Furia. Certains préfèrent dire Furia, moi je dis Furia. Et ce morceau, alors il donne une patate, mais incroyable quoi. Enfin, mais Mass Hysteria en général, en fait, faut les voir en concert. Mais comme l'Ofofora, en fait, c'est vraiment des groupes, il faut les voir en concert, c'est vraiment leur... Leur performance scénique qu'il faut pas rater, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Mass Hysteria, c'est tellement énergique, c'est très énergique, c'est très enfin voilà, et ça donne beaucoup d'énergie en fait. Quand on écoute ça dans une ambiance bien, quand on écoute ça avec un peu de volume, le volume un peu fort, on est vraiment emporté dedans et on se sent, je sais pas, enfin c'est comme si on avait pris la race de drogue. Pas plein de LSD, qu'on serait tout à coup super speed. Voilà, c'est ça, vraiment ça donne beaucoup d'énergie et c'est vraiment bon à écouter. Il y a des effets. Le chanteur des fois il chante avec un mégaphone et voilà, ça fait que accentuer cet effet d'énergie. Et dans les thème de Mass Hysteria, mais encore à ce moment-là, c'est pas au moment de Contradiction, c'est pas encore bien abordé, mais plus tard, je vous en parlerai plus tard, mais ils deviendront très engagés dans leurs textes. Ensuite, on a l'album de Cercle en Cercle qui sort en 2001, et celui-là il fait un flop, enfin, c'est un peu un échec,
les fans de Massister, enfin ils changent un peu complètement de direction. Ils sont beaucoup moins énergiques, beaucoup moins électro, tout ça. Un peu plus hip-hop. Ils ont même fait un titre en duo avec La Brigade. Si vous connaissez La Brigade, c'est un groupe de hip-hop. Je sais pas s'il existe encore. Voilà, ensuite, en 2005, ils sortent un album qui s'appelle Massisteria. Comme le groupe Massisteria, Massisteria, album éponyme. J'aime bien le mot éponyme, c'est pour ça que je le ressors à chaque fois. Et voilà, donc là non plus, ça marche pas tellement, c'est parce que ça se rapproche trop du... Ça devient trop, trop rock et plus assez métal, c'est plus énergique non plus. C'est... Et c'est pas ce que les fans de Massisteria recherchent, quoi. Les fans de Massisteria, ils veulent, un album de... avec la présence de contradiction, quoi. Et leurs vœux seront exaucés en 2007, tout comme les miens d'ailleurs, parce que c'est mon album préféré, c'est Une Somme de Détails. Une Somme de Détails qui sort, voilà, en 2007. Et voilà, là ils ont tout arrangé. Ils se sont fait pardonner pour leurs deux précédents albums, tellement cet album est excellent. Ils se sont fait aider par Fred, le guitariste de Watcha, notamment pour la composition. Mais Watcha, j'en parlerai en fait probablement dans une autre vidéo qui sera dédiée aussi au métal français. Voilà, donc Une Somme de Détails. Donc les titres que vous entendrez en fond, ça sera probablement tiré de cet album. Parce que c'est un des sujets. Et... Voilà, donc là pareil, il reprend beaucoup de l'électro, mais il met un peu plus de mélodie, et c'est là qu'il... Et là, il s'attaque à des thèmes politiques ou sociaux, ou des trucs comme ça. Et là, du coup, ça devient plus engagé, et eux, on peut dire que c'est des musiciens engagés. Et voilà, et ça se et il confirme dans cette direction avec Faille, en 2009, l'album Faille. Qui est voilà dans la même veine et encore mieux même. Enfin encore mieux non. Pour moi je préfère Une Somme de Détails, personnellement. Mais voilà, c'est dans exactement. Enfin dans le même style, Faille, en 2009, qui est un très 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 bon album de Massisteria. Et cette année, ils ont sorti vraiment récemment, fin août, je crois, ou début septembre, L'Armée des Ombres. Qui est voilà pareil. Toujours dans la lignée des deux précédents, donc c'est excellent. Si j'ai le temps, parce que je sais pas en fait combien de temps prendront les morceaux que je mettrai en fond dans la vidéo, mais si j'ai le temps, je mettrai un morceau du dernier album de l'Armée des Ombres. Voilà. Donc pour les petites anecdotes, ils ont fait des premières parties, notamment de Limp Bizkit. Voilà, donc pour vous dire à peu près le niveau. Et pour vous dire encore plus le niveau, ils ont fait les premières parties de Metallica aux arènes de Nîmes. Donc voilà, là c'est ce niveau-là. Et c'est vraiment énorme pour un petit groupe français comme ça d'être reconnu à ce point. D'ailleurs, on peut reconnaître ça à Metallica, ce qui est bien, c'est qu'ils mettent aussi en avant des groupes français. Comme ils ont mis en avant Gojira pour le Stade de France, ils ont mis en avant Massisteria pour les arènes de Nîmes, donc voilà, donc ça c'est ce genre de truc qui booste vraiment la notoriété d'un groupe. Donc ça, c'était le concert en 2009, hein. Voilà, le concert de Metallica aux arènes de Nîmes, je crois qu'ils en ont fait un album, un live d'ailleurs. Enfin, on pourra en reparler si je fais un jour une vidéo sur Metallica, et ce qui arrivera probablement. Voilà, donc je vais m'arrêter là, parce que je pense que ça fait un petit bout de temps que je parle. Donc sinon la vidéo serait trop longue et ça serait trop ennuyeux pour vous. Et voilà, bon je vais continuer à faire des vidéos. De toute façon là, cette semaine il y en a deux ou trois qui vont sortir je pense parce que j'ai pas mal de temps libre. Et en fait là j'utilise la caméra de ma soeur, ma petite soeur, parce que moi je n'ai pas de caméra à moi. Et donc à un moment il faudrait que je lui rende. Donc il n'y aura plus de vidéos pendant un certain temps, le temps que je m'en rachète une. Voilà. Quand j'aurai de l'argent. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Et puis, boum. Salut. Voilà. Tout simplement.